Choucrouloute, ici Lupina pour l'épisode numéro 118 du 100 Baby Challenge. On est à 47 bébés, 2 matriarches et 1 patriarche. Et ben, je vais arrêter de parler et on se retrouve dans le jeu. Je vous fais un petit récap et je m'en rappelle aussi en même temps, puisque ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Pierre est enceinte, les triplés viennent de grandir et les jumeaux sont casse-couilles. Voilà, c'est un bon récapitulatif. D'ailleurs, ils en sont dans leurs compétences, ces sales chiards. Oh là là, oh là là là, oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh putain, l'autre il doit apprendre le pot, c'est lequel dessus? Natsume. Et lui, oh, 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 au secours. Ah bah vas-y, attends, lève-toi, va sur le pot. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est jardinier, mais pourquoi t'es en colère, pépette? Bon, on s'en fout. On s'encarre le coquillard. Allez, hop, va sur le pot, toi, dépêche-toi. Et puis toi, bah toi, bon, tu sers à rien, hein, Natsume. Bon, Pierre, viens ici, viens prendre la compétence réflexion à Natsume. Enseigner les formes, hein, cette fois, je me trompe pas, je lui enseigne pas le mouvement comme une grosse dé... Oh! Putain. Il va exploser! Bon, j'espère que c'est qu'il y en a qu'un, ou éventuellement deux, mais pas trois! Hein? Parce que bon... Je pense qu'il y en ait trois parce qu'on est déjà six dans le foyer. Il y avait ça dans les Sims 3 ou les Sims 2. On pouvait avoir un neuvième Sims, il me semble. Oh, mais ta gueule, Kurama. On pouvait avoir un neuvième Sims quand on avait des triplés. Même si le foyer était full, ça limitait pas. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que moi-même, je comprends rien quand je parle. Donc... Oh, putain. Excusez-moi, hein. La bonne, elle s'est baissée. Elle avait la tête dans le cul de Pierre. C'était sympa. Sympathique. On s'appelle, on se fait une bouffe. Hein. Bon, on va accélérer parce que c'est chiant. Allez, maniez-vous le derche. Oh là là, ça monte pas vite. Et l'autre, il en est à quoi? Oh, ça me saoule. Quoi, il est bientôt bien. Il va aller sur le pot après. Allez hop, sur le trône. Le trône. Ah, c'est bon. Il a appris le niveau 3. C'est bon, allez, on échange les gars. Ça. Allez, on arrête les cubes là. Et maintenant, tu vas enseigner les formes à Samy. Je crois que c'est ça. Non, mais dégage du pot, dude. Qui c'est qui appelle encore? Quoi? Quoi? Bagarre. Le professeur a dû interrompre une bagarre entre Zouille et un autre élève dans le couloir. Que devons-nous faire? Qu'ils règlent ça entre eux? Personne n'a été blessé? Alors tout va bien. La violence est inacceptable. Déjà, il n'y a pas la question pourquoi? Qui a commencé? Pourquoi ma fille est violente? Zouille, je savais pas que tu étais violente, hein? Je suis choquée! Bon, vous savez quoi? On va leur dire démerdez-vous. Voilà, démerdez-vous, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je ponds les chiards, je les éduque pas. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Parler? Bon, t'as pas demandé de parler? Oh là là, mais quel boulet. Bon, la bonne, tu sers à quelque chose ou t'es complètement buggée encore une fois? Va nettoyer les pots, connasse! Attendez. Voilà, on la réinitialise. Elle bouge pas. Mais va te faire foutre! Ah, en fait, elle essaye d'attraper le chat qui est là. Non, c'est bon, laisse ce chat. Oh, j'hallucine, quoi. Parce que la meuf, elle veut s'amuser à ranger tous les jouets dans les coffres. Alors que on s'en fout. Je veux dire, arrête de vouloir ranger les jouets et va nettoyer les pots, salope! Il n'y a aucun respect pour cette personne. Hein. La pauvre meuf qui a rien demandé. Bon alors, les triplés vont bientôt revenir, c'est génial. Bon, lui, il en est où de ces machins, là? Oh, 47%. Mais le pot, mais c'est infernal comment ça monte lentement. Je sais pas pour vous, putain, c'est génial, on dirait que je brille, là. On dirait que je suis comme un gros porc, mais non, j'ai juste une peau de merde. Bonsoir. Ah, vous voulez une chaîne beauté? Bah, c'est pas là. Ah, bah, les couilles. Les triplés. On va s'en occuper, même s'ils sont pas encore là. Oh boy, ils vont faire... Qu'est-ce que c'est? A bien grandi. Oui, je les ai relookés au passage. Hein. Mais dès qu'ils rentrent, on va... toi, ça va. Toi... Oh là là, Ned, mon pauvre vieux. Jouer à un jeu multijoueur.
Non, pas avec Pierre, putain. Bon, bah tu vas jouer. Mais joue un jeu, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a, Extasy? Ah ouais, mais le divertissement, là, ça craint du derche, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voici-vous là. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais putain, mais va te faire foutre, Pierre. Enseigne les formes à ton chiard. Oh, qu'il est con. Mais il est complet, lui, ou pas, le gosse, là? Bah non, regarde, il est qu'à 39%. Dépêchez-vous! Exactement, Grougal. C'est inadmissible. Donc voilà, j'ai relooké Chibi, elle est comme ça. Et Zouille, elle est comme ça, ou c'est l'inverse, je sais plus. Je sais plus qui. Non, si c'est bon, j'ai bon. Elles sont bonnes, hein, quand même. Et Ned, voilà, j'étais en train de le cacher avec ma grosse tête. Oui, elles sont plutôt bonnes. Bon, alors au lieu de regarder votre frère jouer, jouez avec lui, hein, parce que là, vous avez l'air très con. Les gosses sont pas contents, mais je m'en fous. Mais je m'en cogne le coquillard. Tant que c'est pas marqué que machin a faim, moi, je m'en fous, hein. Ça a été marqué ou pas? Non, c'est bon. Rougal, t'es chiant. Oh. Mais oui, mais t'es chiant. Quoi? Mais pourquoi on peut pas enseigner? Ah, c'est bon. Natsume, t'as fini? Mais non, mais Natsume, tu retournes sur le pot, hein. Plus vite que ça. Enculé! Je crois que c'est Myriam qui m'a dit ça faisait longtemps que t'avais pas dit enculé. Voilà, c'est pour toi Myriam. Big dédicace, kiss love, bisous sur ta fesse gauche. Oh, et l'autre il a envie de pisser, mais j'en peux plus. Mais il me saoule ces Sims. Écoutez, vous me faites chier. Ah, il s'est pissé dessus? Oui, bah c'est pas grave Pierre. Non, non, tu vas pas te laver, tu enseignes les. Oh, c'est dégueulasse. Tu enseignes les formes à ton fils. Dépêche-toi. Mais il enseigne pas les formes là, il fait quoi? Si, c'est bon. Non mais attendez, c'est magique. Pierre s'est pissé dessus et le bambin est assis dans la pisse de Pierre. C'est dégueulasse. Je crois que j'ai jamais aussi mal géré mes Sims, mais c'est magique. Mais je m'en fous. Non mais toi, arrête de faire ton petit caca nerveux de merde là et va sur le pot. Allez, va chier! C'est qu'à de le dire. Bon, vous. Qu'est-ce que vous avez? Ok, bon, ils sont à fond, c'est bon, on va les laisser pépouze tranquille le canard. Ah, ça y est! Natsume a très faim! Gna gna gna! Gna 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 gna! Oh, il m'emmerde! Il m'emmerde! Alors, bah, on va ouvrir, parce que je crois que de toute façon, il y a des plats. Et il y a quoi? Ils vont bouffer des pâtes, hein. La pâte à l'ail, c'est ça, non? Ah non, c'est des légumes! Voilà, Natsume, t'es content, hein? Tu vas manger des légumes! Vénard! Tu pouvais juste manier le derge de d'avoir la compétence à 3. Non mais le truc va être périmé avant quoi. Mais ils sont tellement lents à apprendre aussi. Natsume, Natsume, Natsume. Vas-y, je vais me faire retirer le gosse, c'est tout ce que je vais gagner là. Samy a très faim aussi, ils ont tous très faim. C'est ignoble. Bon attends, Samy, attends, Samy, on arrive, on arrive. Voilà, prends une portion de légumes. Non mais c'est bon, laisse Pierre tranquille. Pierre, s'il te plaît, essuie ta pisse, hein, parce que c'est infernal. Non, pose ce chiard. Pose-le. Pose-le. Putain. Il me saoule. J'ai dit pose le jeu, merci. Ah là, c'est infernal quand ça marche pas. Ça m'énerve. Bon, machin. Machin, c'est bon. Laisse tomber le pot, tire après et viens manger. Machin, j'ai même plus comment s'appelle mon gosse, c'est génial. Allez, mangez, bande de sales chiards. Et foutez-moi la paix. Bon, vous allez faire vos devoirs. Hop, et vous retournerez sur la console après. Allez, une, deux. Et Pierre, t'iras te laver le cul après, parce que mon pauvre vieux, tu t'es pissé dessus. Enfin, c'est magique, cet épisode est magique. Voilà, je. Mais c'est bon, il a bouffé. Ils sont partis bouffer. Mais pourquoi tu vas à l'autre bout, espèce de trou de balle? Oh non, non, non. Bon, mange Pierre. Et ensuite, t'iras te laver parce que. Le pauvre! Au frigidaire, n'est-ce pas? Bon, c'est bon, il bouffe. Ouais. Ce sont les compétences? Réflexion 3. Non, mais le pot, quoi. 98%, mais la grosse blague. Allez, va sur le pot après. Et toi, t'auras de la réflexion encore. Oh, c'est chiant, mais c'est chiant. Bah, tu la feras, hein, ta réflexion. Et puis après. Après, direct, vous grandissez. Hein. J'ai pas le temps. Vous êtes dans un état lamentable, mais je m'en fous. Je m'encarre le cul avec une pastille de menthe. Allez, maniez-vous le derche. Maniez-vous le derche. Sale gosse.
C'est quoi ça encore? Et j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Cecilia Samphile. Elle est vraiment sympa. Mais c'est ta sœur. T'es con ou quoi? Enfin, c'est sa fille, enfin. Quoi? Je sais même plus qui c'est, puis on s'en fout. Mais Cecilia, c'est... Non, c'est... La... Mais c'est... Oui, c'est sa sœur à Pierre. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est l'épisode « On s'en fout ». J'ai appelé cet épisode « On s'en fout ». Qu'est-ce que tu fais, Chibi? T'es en train de faire un selfie? Ah, je suis en train de faire mes devoirs. LOL, MDR. Trop cool, hein. En train de taffer, XD. Non, mais c'est... Non, elle les a même pas fait, cette greluche. Chibi! Ah, attendez. Ned, va aux toilettes avant d'avoir un petit accident. C'est bon, Ned a terminé ses devoirs. C'est bien, Ned! Bravo! Bravo! Chibi, espèce de grosse connasse, fais tes devoirs. Non, va pisser d'abord, allez. Vas-y. Alors, il y a à peu près 6 chiottes dans la baraque. Vous pariez combien qu'elle va aller dans le même que Ned? Ah non, ça va, ils sont pas trop cons. Ouh, il va pleuvoir de la merde, hein. Allez, fais tes devoirs maintenant, espèce de grognasse. Bon, Zouille. Zouille et sa très belle bouche. Mais c'est quoi cette gueule, là? Oui, plaît-il. Elle a pas de social, mais on s'en fout, Zouille, du social, c'est... Putain, mais c'est dégueulasse, il y en a partout. Oh là là. Ned, t'as fini tes devoirs, donc tu vas rejoindre ta sœur... Et Chibi, elle est en train de se laver les mains, mais... Chibi me fatigue, voilà, Chibi me fatigue. Il a fini, lui, ce con? Ah! Enfin! Bon, alors lui, c'est bon. Et toi, espèce... Ah! Alléluia! Bon, on va pouvoir faire grandir ces bambins de merde! Franchement, en vrai, je sais que tout le monde voulait les bambins. Et gna gna gna, et gna gna gna. Mais moi, il me manquait pas. Mais genre, vraiment pas, en fait. C'est-à-dire que c'était une classe d'âge, je m'en battais les reins de pas les avoir. Alors ok, ils sont mignons des fois, gna 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 gna, mais en fait ils sont chiants quoi. Dans le 100 bébé challenge, ils sont chiants parce que encore quand tu fais ta partie de ton côté, que tu fais évoluer tes sims, machin, bon putain tu les mets tes bougies connard. Oh, là, là. Ah, ça me fatigue. Aider à souffler les bougies. Allez hop, on va voir à quoi ils ressemblent, ça va être comique. Oui, donc je disais, quand tu fais évoluer tes Sims, tranquille, puis là que tu dis, bah je vais leur faire avoir un gosse. Voilà, donc au pire, t'as des jumeaux ou des triplés, mais ça reste moins casse-couille que dans le 100 bébé. Parce que dans le 100 bébé, t'en profites pas des bambins, t'es là, tu dois juste rusher comme un porc. Ça n'a aucun intérêt, je trouve. Mais de toute façon, le 100 bébé a aucun intérêt en lui-même, hein, à part se briser le cul sur un jeu. Bon, vas-y, on lui met ça, on s'en fout. Mais on s'en fout, putain, mettez un truc au pif, là. Oh là là. Bon, alors, avant que tu... Oh my god, il a l'air d'avoir une tête de vainqueur, celui-là. Attendez, je fais grandir son jumeau. Et après, on va admirer le chef-d'œuvre, hein. Oh my goodness. Oh, il pue. Ah bah, c'est génial, hein. Allez, Natsumi. Natsumi va être créatif. Et puis voilà, on lui met pitre, on s'en fout. Remets des bougies et fous ça au frigo. Ah non, non, non. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, admirons les machins. Ah. Ah bah, oui. Oui, bah... Ils sont bleus, quoi. Regarde, le petit, il est super vénère, lui. Il est triste. C'est génial, quoi. Le super duo de jumeaux, c'est magique. C'est magique, comme ma bite. Bon, alors, tu vas aller aux chiottes, toi. Allez aux chiottes. Oh, chiottes l'OM. Oh, chiottes l'OM. Et toi, tu vas prendre une douche. Bah, c'est vrai que je vous ai pas trop lavé le cul, hein, parce que... Bon, Chibi, t'as fini? Chibi! Chibi a fini ses devoirs. C'est bien, Chibi! Tu vas rejoindre les autres sur la console! Ah, c'est cool, ils vont bientôt... Ned va bientôt avoir la compétence 3, là. Dès que tu l'as, tu vas te coucher, mon vieux. Ça va pas être long. Pierre! Oh, Pierre! Oh, 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 oh. Va te coucher, Pierre. Hein, ça vaudra mieux pour tout le monde. Et vous, si vous pouviez faire vos leçons, je pense pas qu'ils auront le temps, mais bon. On peut toujours essayer. Ned! 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 Ned.
Voilà, c'est bon. Il est à 3, il va se coucher. Chibi, elle est loin d'être à 3, vu qu'elle a commencé 15 ans après. En fait, j'aimerais qu'ils soient tous au même niveau. Avant d'aller se pioter. Bon, on y croit, hein, on y croit, mais bon. Bon, allez, les jumeaux, là, faites vos devoirs. Et même, il vous le derche. Aïe, 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 il va s'évanouir avant, lui, le petit père, hein. C'est lequel, celui-là? C'est Samy. Ouais, ben, à mon avis, Samy, tu vas pas tenir la charge, mon pauvre gamin. Bon, moi, on n'a plus de bambins, on est tranquille. Alléluia, alléluia. Ah, c'est bon, toi, va te coucher. Allez, Samy! Je crois en toi, Samy! Oui! Chibi? Qu'est-ce que tu fais encore, Chibi? Non, non, non! Ah, oh, est-ce que je t'ai dit d'aller te coucher? Non. Donc tu vas pas te coucher, t'arrêtes de me faire chier. Connasse. Mais Chibi, mais t'es insupportable. Chibi! Oh my gosh. Allez, Zouille, tu y es bientôt. Oui. Bravo, Zouzouille. Allez, va te coucher. Tiens, tu vas aller dormir là. Je sais même plus où ils dormaient en fait. Donc bah ils ont changé de lit. Allez, Chibi. Non, Chibi, tu joues. Non, mais je m'en fous. Je veux pas que tu sois la retardée du trio. Alors tu vas jouer jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que tu aies la compétence 3, j'en ai rien à foutre que tu sois KO. Allez, dépêche-toi, t'es à 80%. Mais elle a arrêté cette. Oh putain. Oh putain, frange. Putain. Putain, frange. Allez, mine-toi. Oh connasse! Elle est partie s'évanouir. C'est pas possible. On adore. Bon, c'est bon, t'as fini ton petit caprice là? Tu peux retourner jouer? Va jouer aux jeux vidéo? Je m'en fous! Tu finis! Oh les pauvres Sims. Mais Jacqueline, tu te couches ou tu fais quoi là? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est buggée? Oh putain. Alors, comment vous dire? Ah oui, attends, faut que tu ailles aux toilettes avant, ce serait pas mal. Voilà, va aux toilettes. C'est bien. Et maintenant tu vas te coucher. Putain, ils sont. Ou elle a encore arrêté de jouer? Oh, mais ils ont décidé de me rendre chèvre ou ça se passe comment? Chibi? Grosse salope! Merci de faire ce que je demande. Si tu arrêtes tous les 2%, c'est. Putain. Zen, soyons zen. Nanana. Zouille, tu vas te coucher ou. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, et ça. Bon, va te coucher là. Ah là, ça marche. Ok, je pense que c'est le truc là qui fait bugger. Alors, je suis désolée, c'est très joli, mais je vais l'enlever du coup, parce que si ça fait bugger mes Sims, c'est génial. On adore. C'est vraiment à chier ce jeu, putain. Ah! Chibi! Le jeu arrête de bugger, elle est à 100% là. Putain, elle va encore s'évanouir. Oh là 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 là. Bon alors, Chibi a le cul en l'air. Il est 4 h du mat, Chibi n'a pas dormi. Elle a cours demain, mais je m'en fous. Je veux que t'aies ton niveau 3. Voilà, c'était pas compliqué. Oh là là. Oh. Bon, est-ce que ça marche? Ça marche cette fois le lit là? Putain, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Je vous jure, quand je. Quoi, elle peut pas? Mais quoi, tu peux pas? Mais il y a personne dans le lit, connasse! Bon, laisse tomber. Va dans le rose là. Oh, c'est pas possible d'être aussi con, hein. Oh. Oh là, mais les bugs, on adore, quoi. Bon, je disais, à chaque fois que je joue au sans bébé, j'ai l'impression de courir un marathon. C'est infernal. Donc, bah, écoutez. Là, je vais pas rejouer, donc je tourne cet épisode. On est le 18, donc ça va sortir demain. Et je rejouerai pas avant d'avoir les saisons, pour qu'on rigole encore plus. Lol. Je me demande, vu que l'aire de jeu est dehors, si quand j'enverrai les bambins jouer dans l'aire de jeu, ils vont congeler. Ce serait énorme, non? Mais c'est vrai, ça me ferait des vacances, genre hop, tu on les met un peu au frais, et puis comme ça, on est. Bon, j'arrête, c'est dégueulasse. Bon, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça me ferait plaisir. Et commenter, parce que j'aime répondre à vos commentaires. Et sur ce, à la semaine prochaine. Des cœurs et des paillettes, n'oubliez pas le live de test de saison vendredi soir. Sur ce, bah salut, l'outro la plus pourrie du monde.